Hier, cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Et tout de suite, après sa visite, les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. L'ordre aussitôt donné, aussitôt exécuté. Aussitôt donné, aussitôt fait. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille, si je peux dire, chaque jour. Nous avons des bancs qui sont produits régulièrement, aussitôt que les instructions sont données, et voilà, les ordres ont été exécutés. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchatch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Kokol soient équipées aussi en bancs, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine, et la semaine prochaine, ce sera les autres. Les écoles qui sont dans le camp, au camp CETA, au camp Bayadik et les autres camps, qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national.